pas encore l'habitude de le ring light, moi. Coucou les moldus, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous voyez, ma couleur a vachement vachement plus estompé qu'avant. J'ai un peu sur les racines, après elle avait pas bien pris parce que je l'ai fait directement après la décoloration. Avec ma maman, on s'est dit que la prochaine fois qu'on ferait les racines, faudrait les faire quelques jours avant de faire la couleur. Donc là, on se retrouve, comme vous l'imaginez, surtout avec ce petit t-shirt de couleur pour la nouvelle couleur. Donc je vais toujours utiliser les produits de chez Arctic Fox. Donc là, je vais mélanger la Virgin Pink, donc le rose électrique, avec Electric Paradise, donc c'est une petite bouteille comme vous voyez. Il y a la 118 ml et la 236 ml. Donc c'est parce qu'en nose ça fait des valeurs très. Enfin, des valeurs pleines. Et là ça fait des valeurs un peu chelou, mais c'est normal. Je vais mélanger les deux là avec un peu d'après-shampoing. Donc là j'ai pris deux après-shampoings. Il y a l'après-shampoing. Cheveux doux au lait d'amande de So Bioethique. Donc il faut un après-shampoing sans parabènes et sans silicone, tout ça, sans sulfate. Donc celui-ci il l'est. Et j'ai également pris celui-ci parce que je sais que celui-là il fait une consistance assez épaisse, donc c'est pas toujours l'idéal. Donc celui-ci c'est celui de chez Herbal Essence à la fraise blanche et à la menthe verte. Donc qui est 98% d'origine naturelle, sans parabènes, sans colorant et sans paraffine, donc sans silice, tout ça. Donc on va commencer par faire le mélange. Je commence par mettre de Virgin Pink. Vous allez voir, c'est vraiment très très électrique comme couleur. On va déjà faire ça comme voilà, là on n'est pas trop mal niveau contenance. Hop, je vais rajouter la Electric Paradise, donc je l'ai déjà utilisée, donc je sais pas trop ce qu'il me reste. Donc la Electric Paradise, elle est apparemment un peu, elle réagit aux ultraviolets, donc on verra bien ce que ça donne, mais je sais pas trop, je vous avoue. Voilà. Comme ça, et on rajoute, je vais rajouter un petit peu, je vais juste voir parce qu'il me semble qu'il est bien épais. Hein. Ouais, super épais. Vous voyez, il est très 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 épais. Donc, pareil. C'est ça que j'ai acheté chez Action. Donc franchement, je vais les trouver dans tous les Action, je pense. Après là, pendant le confinement, c'est pas toujours évident, je pense. Je sais même pas si l'Action se trouve bien. Vous avouerez. Donc ensuite, là, j'ai des deux mèches, j'espère que je vais y arriver parce que je vais derrière d'abord. Donc là, wow. C'est vraiment des ongles. Après, je suis désolée, la couleur d'avant, ça aurait pu être vachement intéressant, mais vous savez. Une vidéo dessus, c'est le jour où j'ai reçu mon nouveau téléphone et l'autre était HS et je vous avoue que j'étais en train de s'installer et tout. Je l'ai reçu, j'avais la décoloration sur la tête et tout. Le livreur s'est un peu foutu de moi. Enfin, il a rigolé gentiment, franchement, c'était un gentil livreur, faut se le dire. Hein. Donc là, en fait, je vais regarder beaucoup devant, mais parce que je regarde le retour caméra. La 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 la
Comme ça. Pareil. Et là, une deuxième. Je fais tout tomber. Ça y est, c'est avec les gants. J'aime bien séparer en deux et on va un peu accélérer les choses. Donc ça y est, ça fait une heure que ça pose, j'ai les cheveux tout droits, c'est trop chelou, j'ai très l'impression que ça fasse ça. Donc, d'habitude. Donc là je vais passer un petit coup de chaleur parce que c'est passé comme ça. Normalement il reste 10 minutes, mais comme moi je laisse déjà pousser beaucoup plus que ce qu'il est. Je vais genre passer un peu de chaleur comme ça. Et puis après je vais rincer et puis je trouve une fois que ça va. C'est posé une heure et j'ai rincé, donc ça c'est le résultat sur cheveux mouillés. C'est vachement plus flashy que quand j'ai utilisé la même couleur juste pour faire des mèches. Mais là je vais attendre demain, je vais les laisser sécher naturellement comme je les ai déjà séchés au sèche-cheveux tout à l'heure. Et demain on se retrouve avec une autre tête parce que maquillée et avec une autre tête parce que mes cheveux secs quoi. Je vous fais plein de bisous. Et à demain. Que la couleur l'a bien pris partout. Ah ! T'es con ! Regardez-le là. Il danse. Tout content d'avoir niqué ma prise. Donc nous voilà le lendemain, mes cheveux sont secs, je peux voir que la couleur a vraiment bien pris partout, les racines sont un peu sympas, d'autant plus foncé, mais c'est pas grave, pour ça qu'on a un bon effet un peu sympa. En ce qui concerne la couleur, elle a bien pris partout, donc je suis contente que c'est pas un rose bien flashy, personnellement, je surveille. Mes cheveux sont tout doux, parce que la coloration là, elle soigne vraiment en profondeur les cheveux. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la liker, à partager puis à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite encore bon courage pour le confinement. Salut !